Tiens, salut mon consti. Ça va et toi? La pêche? Ah, ça fait bizarre. Rien que je lance le live, t'es là direct. C'est bizarre. Et toi mon poulet, comment tu vas? Tranquille? Pas se faire un coucou? Bah écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir. Tu sais bien. Oui, hein. Non, hein. On va pas commencer, hein. Puis je pensais à toi tout à l'heure. Je pensais pour faire du Mario Kart, mais je me dis si on est que tous les deux, ouais. C'est ça que je me dis, quoi. Je me dis, on va s'amuser, quoi, une demi-heure, une heure maximum, et puis après, on va se dire, bon, voilà, quoi. On va motiver du monde, tu sais. Très peu pour moi, tu sais. Tiens, bah, Tony, il est passé sur mon live hier. M'a fait plaisir, d'ailleurs. Je jouais à Crash Bandicoot 3, justement. Continue les jeux, quoi. Puis ouais. Ah Tony, ouais. Vince, ça va être un peu plus compliqué. Bref. Bref, bref. Alors, j'en étais où moi déjà? Ouais. Ah bah là, maintenant, je suis parti sur Max Payne 3, hein, donc... Après, peut-être dans la soirée, hein. Oh ouais, je sais bien, t'es toujours chaude. T'es toujours chaude comme la braise d'Afrique. Mon petit pépère. Je sais bien, je sais bien. Ah ouais, carrément. Là, c'est quand même quelque chose. Ah bah il est tôt là, il est tôt, il est tôt. Il est tôt, il est tôt. Tranquille, tranquille, tu sais. On va voir. Attends un petit peu, je vais continuer un petit peu. Faut que je l'avance aussi celui-là. Comme d'autres jeux, tu vois. Enfin, il faut. C'est un plaisir. Mais... Effectivement, je l'ai commencé cet après-midi. Mais t'as reste là. Bon, j'ai eu peur là. Je me suis dit c'est quoi ce bordel là? N'importe quoi. Je peux. Oh, il y a le temps hein. Attends, je vais mettre pause seconde. Ouais, mais faut que je sache, sinon je fais autre chose. Bah, fais autre chose au pire. T'inquiète pas, Consti, fais autre chose. Qu'est-ce que t'as à faire, mon grand? Puis, si on se capte, on se capte. Si on se capte pas, on se capte pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut se faire hein, après s'il y a personne. Après moi je m'en fous hein, tu sais, mais faut que je rebranche ma Switch. Bah elle est à côté, bah elle est pas loin non plus, mais bon. T'inquiète, mais j'y pense, mais moi ça me dérangerait pas, hein. Au contraire, hein, tu sais, j'aime bien. Je vais passer un moment avec toi, hein, y a pas de problème. Allez, dégage-toi! Ah! Putain, j'ai. Oh, quoi, quoi? Comment ça, échec? De quoi? Ouais. Bien, 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 bien. Lui, il est bizarre, lui. Hein. Bâtard, moi. Oh putain! Moi aussi j'aime bien bro. Mais disons qu'à plusieurs, c'est plus fun. Ouais, complètement, complètement, complètement. Complètement. Bah, c'est pas que c'est un peu con, c'est que c'est vite ennuyeux. On peut s'amuser.
On peut s'amuser un quart d'heure, une demi-heure, comme je disais, encore j'étais large quand j'ai dit 1 heure, tu vois, c'est arrivé, tu vois. C'est vrai que je suis complètement d'accord. Hein. Bon, moi je m'ennuie, oh mon pauvre petit chat. Voilà, alors. Celle-là, elle est belle. J'avoue. J'avoue. Si je savais jouer, ce serait plus intéressant pour toi, j'avoue. Ah ouais. Puis, si tu veux, on peut pas être bon dans tout, hein. Faut bien des lacunes, hein, dans la vie. Hein. Non, hein. Oui, hein. Comment ça, je l'ai pas touché lui? Ça va pas là? Oui, hein. Non, hein. Non, hein. Quoi, mais t'es où toi aussi? Ouais, bon. La lumière. Quoi, tire, bon Dieu, qui me dit quoi? Pam! Regarde-moi ça. Pas beau ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Mais c'est sûr, c'est fait pour jouer à plusieurs, je suis d'accord, clairement. Il n'y a pas photo. À me dire que je l'avais pas touché en pleine tête lui au début. Lumière. Dégage, bâtard. Papa. Puis Smash Bros, j'aime bien, mais toi t'aimes pas, tu t'amuses pas, c'est ça. C'est vrai que c'est pas que j'aime pas, hein. J'aime bien, mais je m'amuse pas spécialement en ligne déjà d'une. En plus, ce soir ça a pété du tonnerre, je suis câblé en Ethernet, hein. Je sais pas si t'as remarqué, je suis pas dans ma gaming room là, sur mon grand écran pour Max Payne 3 et quelques autres jeux. Ça dans le cul, oh oui, dans le cul. Right. No chão, filha da puta, agora! Il a vraiment bien vieilli ce jeu. Ah, c'est vrai que Smash Bros, c'est pas. J'avoue. Ah, c'était chaud. Putain, à l'époque, je me faisais baiser beaucoup plus que ça. Listen to me, you head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Non, c'est même pas ça, franchement, je suis assez fair play là-dessus. Pour dire la vérité. Même sur ma carte, moi je m'amuse, hein. Now we got another sniper on me. Franchement, ça va, t'inquiète. Let me deal with this guy first. Alright, bro. I'm moving too. Stay in touch. Il est pas vantard, lui. Il est pas vantard. Quel enfoiros. Ça, c'est un enfoiros. Ça! Joli, mais y'a pas pire. Ah oui, mais bon. Je comprends. C'est ça. Ouais, t'as pas tort, hein. T'as pas tort. T'as pas tort quelque part. T'as pas tort, parce que c'est vrai que t'es souvent premier, donc. Arrête. Vu comme ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alors, qu'est-ce que je te dise? On fait le max, hein? On se bat, hein? On s'amuse en se battant, en essayant de péter l'adversaire. Enfin, moi, c'est ce que je fais, quoi. Puis après, voilà.
Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, si tu veux. C'est qu'un jeu. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Faudrait se faire des batailles à l'occasion et que je mette les objets en explosif. Histoire que t'es plus pour me bombarder. Ouais, t'inquiète. Légite. T'inquiète, je gagne, je perds, hein, dans les conditions réelles, voilà. Y a pas de cadeau, y a pas de faveur, pas de ça. T'inquiète pas. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops, military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Mais après, ouais, moi ça me dérangerait pas, hein. Jesus. Enfin, un petit Mario Kart un peu plus tard, pourquoi pas. On verra qui viendra ou pas, peu importe. We've lost the wife and 3 million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Come on, we gotta get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. C'est moi, je me prends pas la tête, hein. C'est vrai que c'est plus marrant à plusieurs. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. On est samedi soir, normalement, il devrait y avoir un petit peu de monde, peut-être. Pourquoi pas? On verra, là, je vais continuer Remnant. Je t'ai dit, motif du monde, envoie des messages. Bah, fais ça de ton côté, mon frère. Oh, je sais bien. Ah, t'es mignonne. Ah, je sais, merci. T'en fais pas pour ça, ça je sais. Grave. Putain, je suis fou d'aller là, moi. Y'a un sniper, je suis complètement malade. One way up there. J'allais te dire, pour l'instant, regarde le jeu parce qu'il est exceptionnel. Mais non, tu vas aller jouer à Remnant. Vas-y, va jouer à Remnant. C'est pas grave. C'est la vie. Non, mais après, voilà. Tu fais ce que tu veux, mon grand, t'inquiète. Parce que là, j'ai joué un petit peu comme une merde. Je suis un peu bourrin, moi. Il vaudrait mieux jouer dans la subtilité. Ça dépend des fois. Alors ils ont des gilets pare-balles, hein, j'explique. C'est normal que ça se passe pas aussi bien que je le veux. There was only one way up there.
going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Mais je me suis pas protégé, bordel de... Putain, je passe la phase à la lunette, impec, et ça, non? Ouais! On est où, là? Allez, venez, tapette. Un petit peu plus subtil quand même. There was faut pas s'étonner. Out there. Ah, je suis bourrin. Dans ce genre de jeu, je suis bourrin, mais faut pas. Faut pas en vrai, faut pas du tout. C'est n'importe quoi. Destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops. Il a vraiment bien vieilli ce jeu. Incroyable. 90 centimes, j'ai eu boîte et notice. Pas beau ça? Ah ouais, ça va, ouais, effectivement. Ouais. C'est le prix que le mec le vendait, hein. 90 centimes, boîte et notice. Surprise minister. Alors. Ouais, Nono, il était un peu loin. Mais je l'ai depuis un moment celui-là. J'avais trop envie de le refaire, et j'avais adoré à l'époque sur 360 et PS3. Là on est sur 360. Redécouverte parce que je me rappelle clairement pas de tout, c'est normal. Et il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est super bien vieilli en plus. J'avoue. Sur un bon 127 cm là, c'est pour ça que je suis dans cette pièce. Bon, elle est bien, mon petit écran incurvé. Ah ouais, mais même aujourd'hui, franchement, c'est... De toute façon, même la musique et tout, l'ambiance, de toute façon, c'est Max Payne. Faut aimer Max Payne, hein. J'ai fait le 1 aussi, moi. Hein. Sur PS2 à l'époque, hein. Que j'adore aussi. Que je ferai en live, ça c'est clair. Le 1, c'est clair. Le 2, j'ai moins aimé. Mais le 1... Et je disais de celui-là, c'est la quintessence. Mais en vrai, c'est le 1, la quintessence avec les bullet time. C'est le 1. Le 1, ouais. Ah, t'as vu? C'est juste une tuerie, mais dur, hein. très dur. Le 1 est beaucoup plus dur que celui-là. Rien à voir. Tu fais une erreur, tu te fais plomber, quoi. C'est vraiment une histoire d'avoir les bonnes armes dans le premier, quoi. Là, on peut prendre un peu tout et n'importe quoi. Ça va, ça se passe. T'as encore de la chance, t'as encore des chances. C'est un peu assisté, quoi. À l'époque, c'était pas assisté. Même sur PS2, c'était pas assisté. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus assisté, donc on a plus le droit à l'erreur. À l'époque, non. À l'époque, on n'avait pas droit à l'erreur. Encore la PS2, c'est pas si vieux que ça. Pour moi, c'est même pas rétro. Mais ça rigolait pas déjà.
Mais celui-là, il rigole pas, hein. Il est assez exigeant comme jeu, quand même. Il est assez exigeant, celui-là. Gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say. Very funny, old man. Very. Ah ouais? Bah j'ai vu, hein. Par contre, il avait l'air propre. Hein. Je sais pas si ce serait mon style de jeu. Niveau ambiance apocalyptique, comme on dit. Post-apocalypse. Ah, je déteste pas, hein. Comme le métro et tout ça. Je déteste pas. Ah si c'est dur, ouais, j'aime bien, ouais, parce que bah voilà quoi, faut se tordre un petit peu l'esprit pour bien passer, tu vois. Ça c'est top. C'est vrai qu'aujourd'hui on a pas besoin de se tordre beaucoup l'esprit quoi. Certain. But I'm my star. Anytime. Now say you're sorry. Mais bon. N'empêche que il nous reste des bons jeux, tu vois. Même sur la 3, notre bonne vieille 360, qui n'est absolument pas rétro à mon sens. Hein, pas. Mais c'est un beau petit bébé quand même. Et les bons jeux. Tout à l'heure j'étais sur Fight Night Champion, jeu de boxe. Franchement ouais, on est kiffant, puis les boss, les monstres et tout. Y'a rien de répétitif, c'est pas varié. Bah écoute, moi je veux bien le croire, si tu le dis. Mais j'aime bien les jeux à ambiance, justement, tu vois, ça c'est ambiance polar noir. Et c'est ce que je regarde en matière de films et de séries, tu vois. Par exemple, c'est un exemple. Parce que ça, c'est le genre de jeu qui se mange comme un film. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé tantôt et que je le refais un peu ce soir. On fait un peu de boxe entre temps. D'ailleurs, il y a Eze qui est passé. Elle a kiffé. Ça m'a même étonné. C'est plus de presque une heure et demie avec moi, quand même. Ah, fait très plaisir. Vraiment. Vraiment. Dommage qu'il n'y a pas plus de gens comme ça. Voilà. Ça, c'est dit. Oui, mais elle aime bien la boxe aussi, elle aime le sport aussi, elle me parlait de basket aussi, on a parlé un bon moment. J'ai laissé la rediff, hein, si tu veux voir, tu vois. C'est bien, j'aime les gens, ils s'intéressent à beaucoup de choses, tu vois. Ah ouais? Ah, je t'ai pas vu, mon frère, hein. Je t'aurais jamais envoyé devant, tu sais très bien. Tu sais très bien, Consti. Hein. En fait, vous avez la même couleur de pseudo, putain de merde. Je suis sûr que c'est pour ça. Non, c'est pas possible, je t'aurais vu. Non, j'aurais pas. J'aurais vu, c'est pas vrai. Bah merde alors. Bah merde alors. Bon bah voilà, tu es là, bon bah voilà, tu as pris ton gros coucou là. Tu vois bien que ça me fait plaisir que tu sois là. Voilà. C'est le principal. Ah ouais, Ah d'accord, merde. Oh, tout en regardant le chat, ça c'est propre ça. Faut se remettre dans l'action là. Eh, hey, je l'ai vu. Ah, il est là-haut, le bâtard. Motherfuckers. Oh, t'inquiète, si j'étais... Franchement... Puis si t'es passé, je t'ai vu, hein. C'est pas possible que tu sois passé. T'as dû avoir un gros bug. Parce que même avec les couleurs, t'inquiète pas que je dis bien les pseudos avant. C'est pas possible. Je t'aurais vu, quoi. Clairement. Donc on cherche aussi les collectibles pour les succès, hein. Des antalgiques, très important. Une partie des armes en or, important aussi.
On essaie de débloquer des succès, quoi. On fait pas les choses à moitié. Exactly where they wanted us. I'd gotten into my share of bar fights, but that night made me wish for any one of those. It ain't often you get nostalgic for getting your ass kicked by six sailors on shore leave. Tout à fait. Je disais même que pour l'instant, ouais, c'est vrai. C'est exactement, exactement. Ah non, mais je mets pas ce que tu dis en doute. C'est pas ça que je dis. C'est bizarre que je t'ai pas vu. Ça se trouve, tu n'es même pas apparu sur le chat, mon grand. Tout à fait. C'est clairement ça. Je suis sûr. Ah, c'est sûr. Ah, j'aurais fait la comparaison, même avec la même couleur. Enfin, bref. C'est d'accord, pas. Trop de balles. Trop du cul. Enfin, bref. Le mec. Boom. Direct. Trop de cul. It said exit above the trop door de cul en chaleur. Plaisante. Je plaisante, bien entendu. Alors. Bon. Alors, on a pas mal de morceaux d'armes, là. J'ai pas encore l'arme en or. Later, it would be more metaphorical. On se calme. On veut de l'action. C'est bien, ça nous laisse un petit temps de répit. Parce que dans ce jeu, il n'y en a pas beaucoup des temps de répit. Hein. Ça va, j'ai 4 antalgiques. Parfait. Allez, bâtard! Eh, re, ma petite Ezekiel! Ça va toujours? Oh, j'ai eu chaud. Oh, ouais, ça va impeccable. Ça va impeccable. Alors. Oh merde, désolé, nono. Faut qu'on arrête de parler sur elle. Ah, ça va, il y a que du bien de dit. Il y a que du bon de dit. Nous, c'est comme ça. Ah, dommage. Attends, j'ai peut-être moyen de me revivre. Oui. Putain, j'ai eu moyen. Oh là là, la chatte que j'ai eu, quoi, en vrai. Que du bien pour les gens bien. Il est où? Il est là. Il est là. Ah là là. Ouh. On suit pas mal sorti, ça va. Je suis pas mal ressorti, ça va. On regarde un petit peu les collectibles, hein. Ce qu'il a récupéré pour les succès. The only way my first meeting with Passos could have gone any worse was if he turned a gun on me along with everyone else. Et puis voilà. I should have realized. Partnership start as they mean. Fais attention quand même. Dans chaque coin, il y a un rat ici.
Et des fois, il y a des flashbacks qu'on peut récupérer aussi. I still didn't remember having met Passos before. But then again, I didn't have any friends left from those days, and I didn't remember most nights ça after 6 p.m. Ça va, ça passe bien. Je me suis protégé. Oh là là, mais je suis mort là. Oh. Ah oui, bah oui. Non, quoique, pas encore. Donc il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Ah putain, je suis cuit. Je suis cuit. Ah la vache. Ah ouais. Ah, j'ai voulu faire trop mon cacou là. Attends, tranquille. En finesse, c'est pas mon genre, hein, la finesse. Pas réellement mon genre, quoi. On commence par Johnny. On commence par. Mais cul est con. Mais cul est con. Me culé. Ah, c'est pas évident de s'y remettre. Hein. Ah ouais. Même si je joue mieux avec les yeux bandés. Ah peut-être. Peut-être. Peut-être, écoute. I thought about saying the cops, c'est très possible. But this was no time for bad jokes. C'est très très possible. Qu'est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu peux répondre? Il tend le bâton pour se faire battre. On va pas rentrer là-dedans. Ça c'est Consti. Whoop! Antalgique, vite. Ah là là, j'ai plus de balles. Ben vas-y. Ah là là, quelle tapette. Mais quelle tapette. En vrai. Ah ouais, non, mais faut tout recommencer là. Ouais, mais c'est de ma faute aussi. J'ai qu'à être un peu plus concentré. Ah non, ça va. Oh, ils sont pas dégueulasses. Hein. C'est vraiment beaucoup d'assistanats. La décadence d'un homme. C'est clair. Si tu parles pour Max Payne, complet. Tout à fait, quoi. Je suppose que tu parles pas pour Max Payne. Petit salopard. Quoi, Kill You? Kill you de quoi? Oh putain, foiré! Oh là là, le GG! Le GG. Clic-clic-clic, bah alors Roger, on a plus de balles, c'est clair. T'as vu la mort de merde? J'étais comme ça, clic-clic-clic, comme un con. Putain. 100 balles là, c'est sûr que tu pouvais pas faire grand chose, c'est clair. C'est clair. Ah, là, j'ai réussi à m'en sortir, mais sur le fil, quoi. Sur le fil du rasoir, quoi. Oh. J'étais comme un con avec mon gun. J'étais déjà cané, quoi. Laisse tomber. Excuse-moi. Ouais. Non, je crois pas qu'on peut le faire, ça. Je suis même sûr que non. Après, ça aurait été top, hein. Tu sais, à défaut de balles, tiens, je lance mon flingue. Bon, là, il va piave, donc c'est la pause.
Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Forcément. Where do I sign Max out? Payne, il passe son temps à boire et à prendre des cachets. Voilà. C'est un homme tourmenté. Et puis, c'est son histoire. Et il veut arrêter, il veut tout arrêter, mais il n'arrive jamais. Pourquoi pas? Ouais, c'est clair, ils auraient pu en vrai. Hein. Tu sais, lancer le flingue au dernier recours. Pouh! Mais attends, ça assomme, hein, ça. Un calibre, c'est assez lourd. No thanks, pal. Ah oui. Yeah, just better lay low for a while. Ah oui. Yo, I want on the roof. C'est sûr. Yo, I want ça aurait pu marcher comme option, hein. Même débloquer un succès avec ça. Jeter le flingue vide dans la tête de l'adversaire. Succès. Cling. Ça aurait été cool, ça. Ça aurait été, d'ailleurs, un bon petit succès, d'ailleurs. Pourquoi pas. Yeah, that looks about right. Pourquoi pas? You killed my only son! We gotta get out of here now. You're not inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It always found me, no matter where I went. Pourquoi faire? J'ai le flingue, je te le lance dans la tronche. Complètement. Pourquoi pas? Bah, tu sais que tu peux créer des succès sur Retro Achievement comme ça. Après, faut avoir de l'imagination. Puis... Et une rétro? Pourquoi pas? Ouais, succès en or, ouais, clairement. Succès rigolade. Son of a bitch. What? Ah, ça insulte sévère dans ce jeu, hein. Peggy 18. Peggy 18. C'est le platine. Par contre, Nono... Oui, mon petit. Si t'es un vrai, enlève-moi cette putain d'assistée à la visée. Ah bah, tu sais quoi? Je l'ai pas, l'assistana à la visée, mon grand. Je suis un vrai. Et tu sais pourquoi je l'ai pas? Parce que c'est pour débloquer les succès. Si tu l'as, tu ne peux pas débloquer les succès. Je n'ai aucune assistana. Aucune assistance. Aucune. Donc là, tu peux t'écraser, quoi. Non, attends, je t'explique un truc. Tu as la visée automatique. Quand tu vises quelqu'un direct, tu le tires et ça ne lâche pas. Là, tu le vises et après, c'est à toi de viser avec le réticule. Si tu sais ce que c'est un réticule. Voilà. T'es obligé pour les succès, je l'ai enlevé l'automatisme. Tu l'as au point de départ quand tu vises quelqu'un pour voir qui tu vises. Mais après, c'est à toi de viser le réticule pour l'avoir dans la tête ou dans la jambe ou dans le cul ou n'importe où, tu vois. Je l'ai enlevé, pourquoi? Parce que t'es obligé pour débloquer des succès. Et mon but, c'est quand même de débloquer des succès. Aussi. Je te dis qu'il l'a enlevé, bordel. Regarde dans les options, putain. Regarde bien. Tu regardes, hein. Difficulté moyenne, donc déjà on est bien d'accord. Verrouillage partiel, réticule par défaut, indicateur de victime avec, visée assistée avec, silhouette, tac. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ah ouais, mais lui il voit visée assistée. Non, mais t'es bébête toi. Mais non! C'est toi le couillon, abruti. Putain, elle était grave, putain. Ah ouais, mais toi, ah d'accord, toi tu voudrais que, en fait, je vois personne, que c'est à moi de viser tout le monde comme ça. Bon, mais attends, je suis pas un professionnel non plus, hein. Par contre, t'as deux sortes de visées automatiques, c'est ça que je t'expliquais. Couillonne. Et du coup, elle est avec toi. Ah la dure mon gars, ça va, attends, et déjà, c'est une redécouverte, j'aurais dû le mettre, je l'ai pas mis parce que je pensais que c'était compréhensif après toutes ces années, mais non, t'as toujours les couillons qui arrivent et qui disent,
Mais tenez, il enlève la visée partiellement assistée, parce que c'est ce qui se passe en fait finalement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je peux rien faire. Hein. T'inquiète. Bon. Oh l'autre, il s'est fait fumer sa mère quoi. Je te croyais plus fort que ça, Batman. Quoi? Ah non, oh, j'ai eu peur là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce clochard? Chut, boy. Don't be afraid of the fires. You think they'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene. En fait, c'est la visée assistée, mais partielle. Parce que t'as une visée encore plus facile que celle-là, quoi. Et t'es obligé, pour les succès, je t'explique, quand tu commences le jeu, t'es obligé de l'enlever. Le vrai assistana, t'es obligé de l'enlever, en fait. Sinon, ça débloque pas les succès. Faut que ce soit partiel. Voilà, donc c'est partiel, en l'occurrence. It was what he was waiting for, a chance to make a difference. Ah, mais il a envie de me faire chier. That's what helps me sleep at night. Il a envie de me faire chier. Made me wish I'd got to know him better. Connard, c'est toi le faible. Règle pour le dire, enfoiré. Quel connard! Ah, il mérite. Ezekiel, faut lui dire, hein. On parlait d'être maître de soi, du contrôle de soi-même. Faut lui dire. Faut lui expliquer à lui. I'll save you. Base is loaded. Here's the windup and the pit. Suddenly, the trickster Saucy presents his evil ray. Mais j'aime bien parce que il sait que c'est tout l'inverse en plus. C'est ça que j'aime bien. Sinon, il dirait pas. Ça s'appelle la psychologie élémentaire. Bon, c'est un enfant. On peut pas lui enlever ses rêves. On peut pas lui enlever. Alors ça, ça rapporte un succès normalement. J'ai regardé un petit peu. Donc regardez la télé les enfants. Bah vieux, qui tu as vu de vieux ici ou ailleurs? T'en as peut-être vu, oui. Je sais pas. T'as peut-être marqué. Là, il en a marre. Même Max Payne, il en a marre. Tu vois. Il éteint la télé, il fait ouais, c'est bon. Il en a ras-le-bol, tu vois. Il en a marre. Même lui, il en a marre. Tu vois. Ah, attends. Ça l'excite. Il n'y a pas plus pour l'exciter, Constance. Il n'en faut pas plus. Je suis sûr, il s'est fait dessus, là. Directement. Hein. Il n'en faut pas plus. Clairement. Il n'en faut pas plus. J'imagine bien. J'aimerais pas être de l'autre côté, tu vois. C'est... Choucard. Mais non, pas deux fois, c'est bon. Ouais. Et oui, c'est vrai. On se calme. On se détend le slip.
Succès déjà vu. Magnifique. I didn't have a fancy green light on my gun, just a stubborn desire to stop those things from having their way. I hadn't wanted to live so bad. Survivant d'extrême. Prends-moi mon vélo. Faut que j'arrête avec ça aussi. Rent was gonna have to be lowered in the building. That was something the tenants committee could thank me for. Ah, c'est devenu culte, hein. C'est devenu indémodable. Qu'est-ce qu'il dit encore l'autre là? Il sûr y aura un succès. C'est vivre la mort de justesse 50 fois. Hello, Hello, Robin. Elle est très bonne celle-là. Oh putain. Oh elle est magnifique. Ah vraiment tu gères Constine, tu gères. Tu gères la fougère. Et tout ce qui s'ensuit. Oh là là. Les jeunes de nos jours, on peut plus leur faire confiance. On ne peut plus. Ah, nice, ça c'est bon. Ça. Ouais. Pas le train, il est là. Non, là. Strange to be at the center of it again. The target, that is. Like an old comedian hearing one last round of applause. Appel balle, appel balle, appel balle. Alright guys, let's look alive. We're gonna get this prick. Come on, I wanna hear some motivation. Let's go. Hey, what was that? What was what? I heard something. Kind of up there! Up where? Up there! Get your bitch in. Oh, hell. No, there he is! Shoot him! God damn it! Là, des passages comme ça, je m'en rappelais plus, par exemple, de l'époque où je l'ai fait. You need some help there, brother? J'arrive. J'ai vidange time.
Voilà. Et bienvenue à tous ceux qui rejoignent le chat. Hein. N'hésitez pas à communiquer, à interagir. Je ne mords pas. Quoique. Ça dépend qui. Ça dépend qui, ça dépend quoi. Un murder. Pire qu'un pit. Ah oh, pétard. Je te jure. C'est la folie, ça. Enfin, une petite pause clope, but fait. La seule chose qui mord, c'est lui dans le jeu. Ouais. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Si tu le dis. Pourquoi pas? Ah là là. Les enfants, faudrait tout leur apprendre, quoi. Faudrait tout leur dire. Il le faut. Surtout à des enfants comme Consti. Tout à fait Thierry qui dit. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, hein. Non, hein. Ça aussi, ça va rester. Voilà mon bout de carton. Ouais, c'est les petites choses qui restent comme ça, ouais. J'avoue. Le plus souvent, espèce de petite phrase qui veut rien dire, mais qui reste. C'est les cols, Constier. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai mal. Ah bah, bien sûr. La zik qui va pas du tout avec l'ambiance de Max Payne, mais moi je m'en tape. Je suis quelqu'un d'assez atypique. C'est ça, moi. Le truc qui va pas du tout avec le jeu, quoi. C'est ça qui est bon. Changement d'univers total. Ah ouais, là. Là, pour le coup. Changement d'univers total. Ah, elle est classe, ouais. Ah, c'est pour ça. Ah, j'aime toujours. C'est vrai que ça a pas grand-chose à voir avec le jeu, mais bon. Ça, c'est nono, ça. Complètement atypique. Tu passes d'un polar noir à une balade aquatique, mélodieuse et douce. J'avoue. C'est un paradoxe. Ça s'appelle un paradoxe. Un paradoxe. C'est bien les paradoxes aussi. Est-ce qu'il fait toute l'originalité d'une personne ou d'une chose? Le paradoxe. Pas tout le temps, mais... Souvent. Mais vous inquiétez pas. Ça va reprendre dans très peu de temps. Bon, je
laisse le petit Smooth McGroove vite fait. Puis après, on reprend. Changement d'ambiance. Oh yeah. Oh yeah. Là, c'est en mode Smooth McGroove. Clairement. Ouais, ah, je le kiffe lui, hein. Il est terrible. Ah, franchement, c'est un génie. C'est un génie. C'est un génie vocal. C'est un génie. C'est un génie. Ah oui. Faut rendre à César quand même. J'avoue. Ah ouais, c'est un génie. Ah, c'est un génie, hein. Moi, je dis génie, hein. Parce qu'il fait plusieurs plans en casse de sa face, avec chaque instrumental qu'il fait, chaque instrument qu'il fait avec sa bouche, là. Et fait style de rien, tu vois, comme si c'était easy, tu vois. Ça s'appelle des génies, quoi. Même des fois, il est avec son petit chat noir. Pas mal. Y'a pas de soucis, Consti. Ah, peut-être à plus tard, hein, je sais pas. Je sais pas, on verra. On verra. La soirée n'est pas finie, la nuit n'est pas finie. Sait-on jamais. Sinon, merci d'être passé, et puis bah. Bon jeu à toi, mon gros. De rien, très cher. Très cher trop duc. Très cher trop de balles. Ah, ça surprend. Il faut lui dire à Consti, hein, faut lui dire, faut pas hésiter. Hein. D'un vieux croton dégarni. Déjà, pour ton information, je ne suis pas un vieux croton. Et pour ta deuxième information qui pourrait peut-être t'aider à dormir, ou peut-être te rassurer dans ta vie, je suis pas dégarni, je suis rasé et j'assume. Je suis chauve. C'est une décision personnelle. Donc me parle pas de dégarni, mais quelqu'un de dégarni, ça se voit. Tu peux pas le voir, moi. Alors ça fait une semaine, hein. En général, je me rase la tête toutes les semaines. C'est un choix personnel. Tu peux pas dire ça. Ça, tu pourras dire ça à des gens qui se laissent aller, tu vois. Qui sont négligés, tu vois. Non, tu peux pas dire. Par exemple, il n'y avait pas besoin de mentionner de nom, mais... Il n'y avait pas besoin de mentionner de nom, mais... T'es un connard. C'est monsieur connard. C'est... On n'est pas rien, on le refera pas. Hein. Un projet, c'est toute une aventure. Suffit de le pousser direct. Lui, c'est... Eh, le mec, t'as même pas besoin de le pousser dans les orties. Le mec, tu dis un mot, c'est tout de suite, il se nique tout seul. Le mec, il se nique tout seul. Il s'en fout. Bon, bah écoute, Consti. Mais bon, je te donne quand même ces informations. Pour que tu dormes mieux. Oui, hein. Non, hein. Et il faut absolument te les donner, ces informations. C'est important. Ah oui. Pour que tu dormes mieux. Pour que tu dormes mieux ce soir. T'inquiète. Oh, tu peux tailler la répartie, j'en ai. Et c'est automatique en fait. Pas besoin de réfléchir. Mais c'est Consti.
Même lui, il se prend les pieds dans les orties, tu vois, le mec. Ah, merde. Ah, je sais qu'il fait exprès. Un trou de balle. Non, monsieur trou de balle. Bah, on l'aime bien. On l'aime bien, notre trou de balle. On l'aime bien. Comment il dit les choses? Eh bien. C'est déjà bien. Après, les défauts... Tout le monde en a. N'est-ce pas, Austin? On se refait pas, Consti, on se refait pas. Oui, hein. Ah, ça c'est facile, ça. Ah, maintenant, ça devient facile, ça. Le mec, à chaque fois qu'il va plus savoir quoi dire, oui, hein. Oui, hein. Non, hein. Non, hein. Ah, c'est facile. Il a trouvé la strat, comme on dit. Oui, hein. Là, il va me le redire. À moi qui trouve quelque chose, une connerie, une faille... Un détail, une connerie à dire, je vous le donne dans le mille. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Si tu veux. Et parce que nous croyons au potentiel de chacun. Aïe aïe aïe. Ah, c'est un sacré, lui. J'en ai vu des sacrés. Hein. J'en ai vu beaucoup. Mais il bat quand même pas mal de records. Il bat quand même pas mal de records là-dessus. Tu as la médaille quand même. Moi je te la donne. Je vais pas dire la médaille de la connerie, ce serait trop facile. Ce serait trop simple. Ce serait de porter trop d'honneur. Comment je peux dire? Oh là, applause. Les pom-pom girls, elles sont où? Et ça? Bon allez, on va laisser celle-là et puis on va reprendre le jeu là. S'il arrive un jour à partir de mon live, mais moi j'ai remarqué, quand il vient sur mon live, il peut pas partir. Il peut plus partir. Parce que le mec, il fait blablabla. Mais c'est bien que j'ai du répondant. Il le sait. Allez, la bise. Ça marche. Peut-être à plus tard. Je crois pas. Jamais. Je ne crois pas. Il est tôt encore. Hein. Il est vraiment tôt. Mais... On ne sait pas. On verra comment ça se passe en tout et pour tout. Ah ben. Allez hop, c'est fini. Maintenant, on reprend le jeu. Directement. Voili, voilou, voili, voilou. Là, on va laisser un notif. Hop, voilà. Impeccable. Par contre, ce serait bien si je remettais le son du jeu. All around. Not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. I could go on alone, but it wouldn't be so much fun. They're always one step ahead. They don't need to second guess us when they're covering all the angles. Fuck off already! Sors de là, handicapé là. Putain, il est taré, le quoi. I'm hit.
J'aime bien. Quand il a plus de balles, t'es. Au secours. Double flingue, c'est quand même la base de Max Payne. Y'a pas des antalgiques là quelque part? Je suis un peu dans la merde là quand même. Je suis quand même un petit peu dans la merde. Je suis quand même un petit peu dans la merde. I was guessing the stairs wouldn't take us to the penthouse, but they were worth a shot. Ouais. Non, non, pas automatiquement. Non, 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 faut appuyer. Let's go. Tu vois que c'est pas si automatique que ça, hein. Comme il disait. Hein. Là, c'est la preuve, là, quand même. Si c'était automatique, ça irait directement sur l'adversaire. Ce qui n'est pas le cas. Le réticule est partiel. C'est bien ce que je disais. Y'a même pas d'antalgique ici dans le bourg, quoi. C'est chaud, hein, quand même. Quoi, il est où, lui? Bah, il est là, lui. N'importe quoi. These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. What the fuck? What the fuck? Il était pas mort, lui. Putain. En plus, j'ai plus d'énergie, hein. J'ai plus d'antalgique là. Ça, par exemple, j'ai dû le viser, tu vois, pour le mettre en pleine tête. Là. C'était pas possible autrement. Il faut des antalgiques là. Il faut de la pharmacie et très vite quoi. Ah, pas ici là? Bah si, y en a, bien sûr. Parfait, on se sent tout de suite mieux quand même. Il est où le petit hein? Comment ça, échec? Comment ça? Putain, c'est quoi cet arnaque? C'est une arnaque! Ah,
Ah non, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? No, do you? Go, amigo. Ah ouais, j'ai pas compris non plus, putain. You'd be quieter in here. Rien compris quoi. Yeah, j'ai rien compris. Nice. Normalement je passais, mais ça n'a pas voulu. Yeah, I can see why you don't want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. Ah, il te plaît, Zé, ce jeu? Ça va, hein? C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. So here we were, miles up the Tiente River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think there are a group called the Crashapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed onto the party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were going to be there with a whole lot of toujours money. Regardant anyway, the money's gone. En ce qui concerne l'évolution du stream. Yeah, me too. Toujours. I wonder where the hell she is. You know there's a harbor about a half a mile up. She's got to be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. Ça va, on avance bien. J'ai bien avancé depuis cet après-midi déjà. I'm a bad joke. Max, we work private security. Je disais tout à l'heure, entre deux épisodes et trois épisodes, je pense qu'il en faudra plus quand même. Parce que j'avais oublié quelques chapitres quand même, il y a 14 chapitres. So that was it, was it? Ça risque d'être un peu plus long que prévu, en fait. Of your sins. If only shit were that simple, I'd have done pour le finir. Years ago. Me, I've been stuck in encore, the je suis dans la recherche de quelques collectibles, Max, comme d'hab. With your daydreaming. Je passe pas mon chemin comme ça. Ça peut prendre du temps, ouais. Don't go anywhere. Ça peut prendre plus de temps que je pensais, même. Parce que je me rappelais plus exactement. Ça peut prendre du temps. Hein. Ah oui. Ah oui, et puis il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. C'est clair. Ah oui. Il y en a plein. J'ai regardé tout à l'heure quand j'ai coupé. Pff. Des trucs que je ferais même pas, je pense. Des trucs que, wow. Bien relou, quoi. Ah bon. Ok. On suit le chemin. On y vax. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl. Finalement, girl I was supposed to protect. Il est pas si court que ça, en fait. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible.
I just had to fix the situation right here. Je me prends la tête des fois, c'est un truc de malade. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Ah, je crois qu'il faut faire attention. Faut être en mode discrétion. Je dis ça, mais je vais encore faire le con, quoi. Ça, c'est en mode silencieux. Je crois pas que j'aurais dû faire ça. Je suis quelqu'un de fonceur. En général. Ça devrait aller, ouais, mais. Bon, ça va, hein. Finalement, ça va, mais. C'est vrai que je suis un fonceur, quoi, dans le genre. On a un silencieux, on doit faire attention, mais non. J'y vais en mode. Bourrinos, quoi. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Vai se fuder, caralho! Você tem um cigarro? Vá se foder, caralho. I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Y'a pas des antalgiques là quelque part, hein, parce que là, bon, voilà, j'en ai deux, d'accord. Mais bon. Y'a pas beaucoup de pharmacies dans le bourg là. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Putain, y'en a en haut. Ils sont où là? Y'en a plein. Oh putain. Vite de l'antalgique. Un peu de drogue. Ça
ça c'est bien ça. À l'arme lourde. Eh hey, caray! Carayo! Y'en a d'autres? Y'en a d'autres ou pas? What? Oh le petit salaud. On tire pas dans le dos. C'est pas fair play ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Oh putain. Alors ça j'explique, ça permet de reprendre de la vie quand t'es sur le point de mourir. Donc, vaut mieux pas louper ton coup. Combien de temps à crever lui? J'ai des barbales aussi lui. Quoi? Oh putain. Ça craint là. Ils m'ont dégommé. Ah, ils m'ont bien dégommé quoi. Mais tire-lui dedans, espèce d'empafax. Oh la vache! Et comme tout à l'heure, hein. J'ai plus de balles! Je suis mort. J'ai plus de balles! Ah bah ouais! Ouais, caray! Caray, tout caray! Putain! En cher quand même. Mais c'est moi qui joue comme une merde aussi. Là je dois bien l'avouer. Il faut que je l'avoue. Je joue trop vite. Je suis un bourrin. Je suis un bourrinos. Peut rien hein. C'est pas bon hein. C'est pas bien. C'est sûr que si on est avec un petit peu plus de stratégie, ça devrait mieux passer hein. Effectivement. C'est vrai que je suis un peu bourrin. Ouais, non mais de toute façon t'as raison, hein, c'est clairement ça. Il me reste des balles. Putain, j'ai de la chatte, ça m'a mis. Je sais même pas comment j'ai survécu là. Oh là là. Pop, 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 pop. Crève ou quoi? Ok. C'est
Eh oui, c'est moi, American Gangster, tu connais. On va prendre un petit coup d'antalgique. J'ai eu un espèce de succès des défis là, pharmacien. Tu m'étonnes. À force de prendre des antalgiques. Ah, vu comment je suis bourrin aussi. Bonsoir. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Il y a des antalgiques ici. On va regarder la télé. Succès. On recherche aussi les succès. Estomago, cabeça, virilha, juntas. Ressaca. C'est 100% brésilien, portugais. Interfectum é um analgésico forte para dor forte. This is INC. Je crois que pour le succès, il ne faut pas arrêter de regarder la télé. J'ai regardé vaguement les succès tout à l'heure. Et puis, bah voilà quoi, quitte à avoir des succès, hein. Autant en avoir. Parce que une fois fini, je pense pas que j'y reviendrai pour faire les succès. Ah, c'est un jeu d'action. Pour moi, ce genre de jeu, ça se mange comme un film. Voilà. C'est juste ça. Ouais, clairement. Clairement. Ah, c'est sûr que si tu prends pas le temps de faire ça, si tu avances comme ça dans le jeu, c'est sûr que tu peux pas avoir ce genre de scène, quoi. Here we go again. Mais Nono, il essaye d'avoir un maximum de choses dans tous les jeux. Toujours Nono, toujours. On essaye. J'ai eu de l'antalgique. Ok, d'accord, très bien. Ça, c'est quoi, ça? De la bœuf? De la bœuf? Quoi, c'est? C'est de la weed? M'en fous, je fume pas. Je fume pas de ça toujours. Eh la pocara, ils arrêtent pas avec ça. Hein. Eh, caray! Caray, lo! Right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. Bon, po, caray! But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. C'est vrai. Whoop! Oh, bah! Ah, moi, je nique tout le monde, moi! Alors Consti me fait marrer avec la visée assistée. Là. Fait marrer. Il n'y a pas de visée assistée. Il hein. Y a marqué assistée mais c'est pas le cas. Hein. C'est partiel comme j'expliquais tout à l'heure. C'est partiel. Bâtard. Parce que t'es obligé d'avancer le réticule pour bien faire les choses. T'es obligé, sinon ça vise pas. Hein. Surtout que les mecs ils ont des gilets pare-balles au bout d'un moment, tu vois. Enfin, ça fait un moment déjà, mais.
Bah si, bah la réticule en fait c'est la visée, ça s'appelle comme ça en fait. Le réticule c'est ça, c'est le point blanc que tu vois. Le réticule. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et t'es obligé de le bouger pour bien viser parce que, d'accord, ça vise automatiquement l'ennemi quand t'appuies sur L2. On est bien d'accord. Ça vise l'ennemi automatiquement, d'accord. À partir du moment où tu te plantes quand tu tires une balle, t'es obligé de réajuster le réticule pour que ça vise soit la tête, le bras, la jambe, ce que tu veux, quoi. Et il y a des succès aussi avec ça. Et si tu enlèves ça, bah tu n'as pas de succès. En fait. Voilà. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure à mon bon petit trou de balle. Impossible de lui faire entendre raison. D'où le partiel. Voilà, parce que, bien sûr, il y a la visée assistée. Encore heureux, mais là on est en difficulté moyenne. Hein. En easy, c'est complètement assisté, c'est-à-dire tu vises, la tête. Là, t'es obligé. Voilà. C'est partiel, quoi. C'est une visée assistée, certes, mais c'est partiel quand même. Mais lui, il s'est basé sur ce qu'il a lu, quoi. C'est un enfoiré, de toute façon. Tous les coups sont permis avec lui. Tous les coups sont permis. D'où le partiel, voilà. La musique de fond là me fait vraiment penser à Scarface, le film, pour ceux qui ont vu le film. Et je compte m'acheter Scarface sur Xbox 360 en boîte. Je compte le faire en live à l'avenir. Parce que c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, que j'ai fait sur PS2. Et la musique indémodable, hein, on n'en parle même pas. Rien que pour la musique, le jeu vaut le coup. Il vaut 10 balles maintenant. Ça mérite d'être fait en live. It seems Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. Pour moi. I opened the door to the next circle of this low rent. Ah ouais. Franchement, il déboîte. Hein. Si t'as vu le film Scarface, c'est-à-dire tu sais que Tony Montana il meurt à la fin du film. En fait, dans le jeu, il renaît pour se venger de ce qui s'est passé. Il doit reconquérir son empire. T'as un mode de décoration d'intérieur. Tu dois reconstruire toute sa villa. Tu peux mettre des tapis en tigre et tout. Enfin, tu sais, des flamants roses. Tout ce qui est kitsch à souhait. Tout ce qui vient de Scarface. T'as un mode... on peut dire un mode Sims. On peut dire. Tu dois recréer ta villa, la redécorer et tout. T'as la réputation, t'as les guerres des gangs, t'as les missions qui sont pas mal intéressantes, et t'as les musiques, bien entendu. Rien que pour l'OST, déjà, ça vaut. Je l'ai vu à 10 balles sur 360, je vais me le prendre. Je vais me le prendre en boîte et notice. Parce que c'est un jeu que j'avais bien apprécié. Comme j'ai apprécié le film à mort, c'est pas étonnant en même temps. Mais ça n'a rien à voir avec le film niveau histoire, clairement. Il est censé être mort, Tony Montana, mais il renaît de ses cendres, et il vient pour se venger. C'est là que c'est intéressant. Ça en fait un bon jeu, je trouve. Ah bah, alors moi, je dirais c'est un culte. Cultissime, cultissime. Je dirais même pas classique, je dirais culte. Cultissime. Où je dois aller là? Je vois rien ou quoi là? Oh. Je suis paumé! Mais non, je suis pas paumé, vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah bah j'ai déjà été par là.
après, j'ai dû le voir au moins 100 fois, Scarface, hein, sans te mentir. Sans te mentir. Et je l'aime toujours autant. Ok. Très bien. Très bien. Oh putain, les salauds! Oh oh! Ça débarque de nulle part, ouais! Moi aussi je débarque de nulle part, t'inquiète. Là par exemple, le réticule, là j'étais obligé de l'aligner, tu vois. C'est pas automatique. Ah, L'Impasse aussi, un super bon film, magnifique. D'anthologie. Ah, je l'aime ce film aussi. Carlito's Way. L'Impasse. Al Pacino, Sean Payne. Magnifique. Juste incroyable. Tu le regardes, t'es dedans, quoi. Tu peux pas... De l'or, j'ai vu de l'or. Attends, que je fasse pas n'importe quoi quand même, parce que j'ai l'impression d'être paumé un petit peu. Énorme. On examine, hein. On va essayer de débloquer un succès avec tout ce qu'on a examiné. Pourquoi pas? On examine ce qui est examiné à faute d'autre chose. Ah! Oh là! Deux antalgiques, c'est magnifique ça. Oh bah j'ai bien fait d'aller là, tu vois. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de se perdre. Là, je suis un peu paumé. Hein. Je vais pas mentir. Enfin, paumé. Oui et non, puisque c'est quand même assez barricadé et cloisonné. Et scénarisé. Toujours moyen de trouver la sortie, là. Le petit point rouge, là, je suis obligé de d'aligner le réticule, tu comprends? C'est vraiment partiel. Ça, ça a pété. Ah, c'est bon ça. Ah, merci Scrat pour le follow. Bienvenue. Bonsoir Scrat, bienvenue sur le live. Merci pour ton follow, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles, au secours! Ça gâte. Aisé. Aisé. Merci pour le follow en tout cas, hein, ça fait plaisir. On va te mettre. On va te centrer. Voilà. Hop. Bienvenue. Ah ouais, les Tortues Ninja avec Sagat.
Si, si. Allez-y. Ah bah, Sagatte, hein, c'est mon perso. Le Street Fighter. À la vie et à la mort. Ah oui. Oh là là, comment je les ai fait péter. Grenade. J'aime bien le petit succès. Restons classiques. Tuons tout le monde. Tuons. Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following the trail of her fingers. C'est bien quelqu'un correct qui dit bonsoir. C'est tellement rare de nos jours. Thought I might find something on the other side of the gate. I had to keep on going across the docks. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Quelque chose à pour les succès là. Oh. Le mec accro des succès, tu sais. Ah ouais, mais de toute façon, moi je suis comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est assez fouineur. Oh. Viens là. Ah là là, j'en ai touché un. Oh oui, c'est bon ça. C'est bon ça. Eh, je vais crever. Ouais, ça donne du challenge. Puis j'aime bien ce système, moi, de toute façon, de succès, trophées, achievements. Toujours été comme ça. Toujours. Des antalgiques. Malaria tablets might have been more useful out there.
merci pour ton follow, Monster Hunter. Bienvenue sur le live. Toi aussi, on va te centrer, on va te mettre bien. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pour tout le monde pareil. Hop. Voilà. Merci du follow. J'espère que vous follow, que vous me suivez pour parce que ça vous plaît, pas pour voir l'alerte, pas pour je ne sais quoi d'autre. C'est ça moi qui me fait plaisir. Il y a du monde dans le bateau là, hein. On les nique tous ! Non, pas rapport. On en nique un maximum quand même. On essaye. Ah ah ah. Je peux prendre l'arme, s'il te plaît ? Oh là, c'est quoi l'arme que j'ai pris là, wesh? Oh non, ça me plaît pas. Je suis pas un sniper, moi. Je suis un tireur. Je suis un tireur au feeling. Ça va péter. Ah, ah, ah. Un petit Uzi là, ouais. Pourquoi pas. Sont où ces ont pas fait. At least Fabiana was being eaten by mosquitoes instead of caimans. I might just bring her home. Faire une petite clope, on me pose deux secondes, on va se faire une petite cigarette et vous mettre un peu de musique rapido. Que vous ne vous ennuyez pas trop. Celle-là elle est un peu. Voilà, c'est celle-là que je voulais. Willy Wallou. Batman sur NES. Excellent. Ouais. Oh, tranquille. L'histoire de vous mettre un peu de zik en même temps. Moi, la musique, hein, une grande histoire. Mmh.
C'est l'histoire de faire la cigarette, tu vois, tranquille. Et que vous ayez de quoi écouter quelque chose. Au moins. Et je pense que ça ne peut que vous plaire. Bah, j'en suis content alors. Mon chien est en train de défoncer sa niche là. Je raconte même pas l'histoire. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. C'est à l'ancienne hein. C'est Batman sur NES quoi. Mais n'hésitez pas à proposer. Hein. Ah ouais, il pèle vraiment la forme à mort. Hein. Lui, c'est un seigneur. Et j'en suis bien content. Je me plains des fois, je m'énerve, tac, 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 tac. Mais en vrai, je suis heureux qu'il soit pas bloqué du bassin ou autre, tu vois. C'est à ça que je pense. Donc je me dis des fois, relativise. Dis-toi qu'il pourrait être bloqué, machin, tu vois, c'est pas le cas, toi. Il pète vraiment la forme. Ah oui. Pas toujours. C'est un champion. C'est un champion. C'est un champion. Quand je le regarde, là, il me fait marrer, je te dis, moi, c'est... Pourtant, il fait le con, hein, mais bon. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave qu'il fasse le con. C'est pas grave. C'est la vie. Va falloir le voir comme ça, hein. Tu sais. C'est pas grave, ça. Jusqu'au bout, bien, et voilà, c'est parfait. Là, il va aller dehors parce qu'il a entendu un chien. Vu que c'est ouvert à la maison, il se dit, bah, je peux y aller, hein. Mais il gueulera pas et c'est bien. Il le sait qu'il faut pas. Parce que je ne l'ai jamais fait. T'as des gens, ils laissent leur chien gueuler toute la journée, je comprends pas ça. Moi, mon chien, je fais, tu rentres, hop, c'est terminé. Chut. Non, non. Des gens, des bobos. Toute la journée. Je comprends pas ça. Moi. Incroyable. Il y a tellement de choses incroyables. Alors, c'est quoi? C'est une musique YouTube? Ah, ok, d'accord. Ok, c'est. Jamais direct après, alors. Une petite pause, tranquille. On va reprendre le jeu. À finir cette mission. On n'a pas eu beaucoup de trophées. On n'a pas eu. Pardon. On n'a pas eu beaucoup de succès, pardon. On est sur Xbox 360. J'ai trop l'habitude de dire trophée. En fait. Je sais pas. Hein. En même temps, c'est normal. Bon, on en a eu quand même pas mal sur Fight Night aujourd'hui. C'est pas mal, hein, déjà. Pas mal. On en a eu un. Ah ouais, déjà vu, tuer tous les ennemis équipés de viseurs, laser, depuis le couloir sortant. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah, il est bon, ce succès, là. Je l'avais pas eu à l'époque, celui-là, je crois. J'avais pas eu celui-là à l'époque, hein.
C'est ça. C'est exactement ça. Hein. C'est... Sony, c'est les trophées, et Microsoft, c'est les succès. Autrement, t'as les achievements pour Retro Achievements. Ça fait un moment que j'ai pas été dessus, d'ailleurs. Ça me manque, de faire des succès sur les jeux rétro. Ah bon. Tellement de choses à faire à côté aussi, à droite à gauche, qu'on peut pas tout faire. Là, là j'ai entamé encore un jeu aujourd'hui, bah celui-là, voilà, tu vois, c'est... Ah, c'est... C'est sûr. Alors... Ah, F-Zero! F-Zero a cappella! Ah bah oui, Smooth McGroove. Ah oui. C'est un génie ce mec. C'est un génie. N'hésitez pas vous autres hein, si vous avez du son à proposer. Petite pause tranquillement. Ouais. Ah non, il déboîte lui. Il déboîte. C'est inlassable. Clairement. J'en ai écouté plein de ses musiques à lui, mais franchement, ça... Moi, j'appelle ça quand même un génie. Quoi. Je sais, il y a du montage, il y a plein de choses, je sais. Mais quand même, faut le faire. Combiner tout ça... quand même assez fort. Je connais l'histoire du montage et tout ça, ça se fait pas comme ça. Bien sûr. Tu prends un screen de ta face et un autre screen de ta face et un autre screen de ta face. Je vois très bien comment il a fait les choses. Mais c'est quand même du génie par rapport à la synchronisation des effets sonores buccales. Parce que c'est que buccal en fait. Ah ouais, ouais, je me doute que... Mec... Je me doute. Clairement. Clairement, clairement. Alors, t'as défait toute ta niche, toi? T'as venu à dire bonjour? Eh bien. Viens dire bonjour si tu veux. Eh bien, fiston. Bonjour. Eh bien. Ah, il veut pas, il me regarde, tu verrais comment il me regarde. Il me toise. C'est-à-dire que si tu me parles, laisse-moi tranquille. C'est un enfoiré. Et quand je l'appelle pas, il vient. C'est ça en fait. Il est comme ça lui. C'est un dingue. Ah, ça c'est une de mes musiques préférées de Super Metroid. C'est ça, c'est ça. Ba 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 ba
Ah, tu le verrais là. Là, je regarde l'écran du jeu et tout. Mais il me regarde. L'air de dire. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Il lui manque que la parole. Hein. Même sans parole, moi. Avec les yeux, moi, ça me parle. Direct. Rien que les yeux, ça me parle. Rien que les yeux, regarde. Le v'là. Hey, la fenêtre est ouverte, alors il se dit... Putain, c'est encore ouvert à ce temps-là. Bon, moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Il est comme ça, lui. Il passerait sa vie dehors. Il est comme ça. Ah ouais. Faut avoir là, c'est... S'il n'existait pas, faudrait l'inventer, quoi. C'est ma parole. C'est dingue. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie, quoi. C'est un petit con. Je préfère le voir faire le petit con que de le voir traîner la patte et tout le bordel. C'est ça que je dis, en fait. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un champion. C'est un tigre. Oh, ça n'arrive. Ça n'arrive pas. Regarde un peu. Regarde, qu'est-ce que je disais? Je l'ai pas appelé, hein. Regarde, je connais pas par cœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne la patte. Je l'ai pas appelé, hein. J'ai rien dit, hein. Regarde. Au début, mais il s'en foutait, il m'a ignoré. Hein. Regarde. Hein? Je dis, s'il est pas heureux, le chien là, personne n'est heureux. C'est dit, moi. Regarde-le. S'il n'y a pas son père, il est perdu. Ah ouais? Il est bonjour? Il est bonjour aux copains? Des bonjours aux copains. Des bonjours aux copains. Des bonjours aux copains. Il vous regarde, hein. Des bonjours aux copains. T'inquiète, il est malin comme un singe. Malin comme un singe qu'il est, t'inquiète pas. Il n'a pas droit d'habitude de monter sur le canapé. Hein. Parce que c'est un canapé en cuir, tu vois. Un vrai canapé en cuir, donc c'est compliqué. Mais ça va, il fait attention. Ah oui, voilà, là il veut dire bonjour, il est venu de lui-même, hein, tu vois. Tu l'appelles, il vient pas, tu lui tournes le dos, il fait mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, voilà monsieur comment il est, voilà. Et là il arrête pas à regarder les bisous, regarde, tu sais, voilà. Hop, allez, son papa, bah bien sûr, ah oui. Ah oui. Hein? C'est que ça, hein? Hein, c'est quoi? Ah bah oui. Non. Hein? Ah oui. Limite, il pourrait prendre une manette dans les mains qu'il la prendrait. C'est limite, hein, des fois, je me dis. Il arrête pas, il donne la patte et tout, il arrête pas. Là, il arrête pas, là. Là, il profite, là. Il profite, il se dit, mon père, il parle. Il fait une petite pause. Il est très intelligent. Très, très intelligent. Ah oui. Ah, c'est du bon, ça. Ça vaut tous les humains du monde, ça. Ouais. Ça vaut tous les humains du monde, ça. Et ça. La bestiole. La bestiole. Tu veux rester avec eux? J'arrive. Vidange. Vidange time. Vidange time, on le fait. Tu restes avec les copains. Papa il veut faire pipi. Ah oui. Et j'arrive. Ah oui. T'as vu comment il est?
C'est un clown. C'est un clown. C'est un clown. J'arrive. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que lui, il a des argots au bout des pattes. Tu vois les kangourous d'Australie ? C'est la même chose. Un kangourou, ça peut t'éventrer rien qu'avec ses griffes. Le canapé en cuir, il a fait quelques petites marques. Rien d'important. C'est pour ça que je dis ça. D'habitude, il n'a pas le droit. Là, il a profité que je pars pour faire quoi ? Pour lécher tout le bord où j'étais assis. Rien que mon bord. Hein. On va dire, oh attends, il est parti lui. Bon, attends. C'est un mariole. C'est un mariole. Et là, il est couché et il fait style. Genre, il est couché dans ses pattes comme ça, genre, papa, j'ai rien fait moi. Rigolo. C'est un rigolo. Un rigolo. C'est ça. Wittgenstein, et puis il s'est dit, oh bon, attends, bon, moi, attends, je suis chez moi là. Ah, ça, c'est un clown, hein. C'est un clown. Il a défoncé sa niche, que. C'est un clown. C'est un clown. Ah, c'est comme ça, hein. Ça pourra jamais plus changer, hein, maintenant. Donc j'accepte. Et là, il va vouloir revenir, parce que maintenant, je suis revenu. Donc, il se dit, attends, moi, je vais faire mon malin, moi. Et maintenant, il fait son malin, là, maintenant. Bien sûr. C'est une race à part, hein, quand même. Il faut avoir un sacré caractère pour avoir un chien comme ça. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est beaucoup d'investissement dans la vie et tout. Hein. Y'a pas le choix. Tu les laisses un peu, c'est cuit. Tu montres pas qui c'est le patron, ils te mangent. Pas manger, mordre.
te bouffent par leur caractère. On sait jamais, il a mordu. J'ai depuis qu'il a 2 mois. Il a 9 ans. Jamais il a mordu. Il mordra jamais. Le jour où il mord, si c'est quelqu'un d'autre, bon, on avise. Si c'est moi, coup de fusil. C'est normal. Si un chien mord la main qui nourrit, qui te nourrit, ne cherche même pas midi à 14h. T'auras des enfants ou n'importe quoi, il recommencera. T'es obligé d'agir. C'est malheureux, hein. C'est la vie. T'es obligé. Ah bon. J'en ai connu des chiens comme ça, tu vois. Et mon chien, c'est une crème. Après, moi, je dis, il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais maîtres. Comme il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que des mauvais parents. Un enfant ne naît pas mauvais, un chien ne naît pas mauvais. C'est l'éducation. Si tu le rends taré, forcément, à un moment donné, c'est comme un chien, c'est encore pire qu'un animal, même, pas qu'un chien. Voilà. Et pas qu'un chien, un animal en général. Même le plus faible des animaux, le plus gentil des animaux, si tu le rends mauvais, si tu le fais des trucs de fou dans sa vie, forcément il sera mauvais. Un serpent peut être super cool. Un lézard, je sais pas moi. Même un lynx. Des animaux assez sauvages. Ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise. Après, faut aimer les animaux. Si tu prends un animal pour te tenir compagnie ou pour te défendre, l'animal, il veut le savoir. Il veut le sentir. L'instinct animal, ça trompe pas. On est tous des animaux. On a tous un instinct animal. Mais l'animal, c'est encore plus développé. Il sent la peur, il sent la fausseté, il sent tout. Un animal, tu peux pas le tromper. C'est ça que j'aime chez les animaux. Tu peux pas tricher. Les humains trichent beaucoup. C'est encore un autre débat. On va pas rentrer dans un débat, voilà. La vérité, c'est ça. T'as peur des chiens? Mon chien, il va le sentir. Hein. Tu vas venir vers lui, il va le sentir. Hein. T'as peur, il va en profiter. Il va pas être méchant, hein, parce qu'il est pas méchant. Mais il va vouloir te sauter ou te prendre avec ses pattes. Tu vois, il va le sentir. Voilà. Après, il y a un degré. Il y a un degré. Dans l'animosité, il y a un degré. Y a un gros degré. Et ça, on n'y peut rien, hein, parce que ça s'appelle l'instinct. On a tous un instinct, mais les animaux, ça peut pas se contrôler, hein, leur instinct. Au bout d'un moment, ça s'apprivoise, mais... Moi, je fais attention. Hein. Moi, j'ai un port d'armes, hein, pour mon chien. J'ai été obligé d'avoir un permis. Un tampon du maire et tout. Hein. Obligé. Et oui, c'est considéré comme un chien de deuxième catégorie, c'est une arme. Y'a pas le choix. Obligé. Tampon de la mairie, tampon du maire, tampon de la préfecture, passeport, et tout ce qui s'ensuit. J'ai dû me battre hein, pour le garder, j'ai dû me battre. Mais moi, c'est même lui avant moi, même s'il fait le con. Par contre, bord de là. Par contre, si tu fais le con, Dexter, on va pas être copains là maintenant. Hein, j'ai pas que ça à faire. Allez. Ça suffit maintenant. Eh oui, malheureusement, c'est considéré comme une arme. Malheureusement. C'est pire que ça, Zé.
Moi, tu vois, au début, je devais le sortir à chaque fois avec la muselière. Il a cassé sa muselière. Jamais plus j'en rachèterai une. Je la mets plus. Qu'ils viennent me faire chier. Ils le savent, hein, ils me connaissent. Hein. Ils viendront pas me faire chier. Ils connaissent mon chien. Ils savent que je l'aime et que je m'en sers pas comme une arme. Que j'aime les animaux. Il n'y a pas que des abrutis, tu vois. Même dans la police. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des bons, il y a des cons. C'est comme partout. Ah bah non, c'est comme moi, hein. Je suis pas un méchant, c'est pareil. Tout dépend du maître. C'est tout pareil. On dit tel chien, tel maître, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Par contre, faut pas faire chier. Que ce soit le chien ou le maître, faut pas faire chier. Moi, tu sais que c'est mon chien, quand on s'approche de moi, il essaye de me défendre. Alors que c'est moi qui le protège. Dans ma tête. Mais dans sa tête à lui, il fait son boulot, quoi. Il fait son job à lui, quoi. Mais alors que c'est moi qui le protège. Ah, c'est compliqué. Mais c'est... Moi, j'ai pas pris pour me protéger. Moi, c'est moi qui le protège, quoi, je veux dire. Pour moi, c'est le petit nounours, quoi. Pour moi, c'est le petit nounours, quoi. Je connais trop le genre humain, t'inquiète. Mais comme je te dis, je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des bons, il y a des cons. Il y a des bons, il y a des cons. Ah oui, tu m'as défoncé ma niche. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Dehors ou quoi ? Ah, dehors ? Eh bien, eh bien si tu veux. Voilà, c'est moi qui le protège. Bien. Viens si tu veux, mais tranquille. Tranquille. J'ai dit quelque chose maintenant. Voilà, une petite dernière, Castlevania. Ah. Elle est gentille. C'est une crème. T'as un nounours. Comme moi. Mais bon, après c'est le caractère, hein. Le chien, le maître. Nous, on avance. Pas faire chier. Après voilà, c'est basique. Et couche-toi là. Couche-toi. Couche-toi maintenant. Allez, dépêche-toi. Pas que ça peut être un vrai petit con aussi. Faut même pas s'inquiéter pour ça. C'est une petite saloperie. Celui-ci est une vraie petite saloperie. J'avoue. J'ai tué tout le monde ici, hein, ouais. Ok, c'est par là alors. Mmh.
D'accord. Sta bien, sta bien. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Petite musique, petit jeu, petite discussion, tranquillement. Wally voilou. Caché, c'est quoi ce bordel là? Wesh. N'importe quoi. La musique, elle est assez immersive. Il y a de l'or là-bas. Se la jouer à la Link. Les roulades. Attends qu'on regarde bien. Ah c'est ça, les roulades. Comme Link. Ah ouais. Alors j'ai fait tous les chemins là par contre. Pas tous les chemins forcément. C'est par là, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Apparemment non. D'accord.
J'ai oublié quelque chose, hein, c'est pas possible. Taras. Alors, il y en a d'autres. Viens là, toi. Ça attend, toi. Sérieux, quoi. Non. Mais si, je vais tout recommencer. Mais si, c'est la vérité. Antalgiques, bon, les antalgiques, mon vieux, on aura besoin. Non, pas de checkpoint. Bah, apparemment, hein. Apparemment, il y en a pas. Bon, ça devrait aller. Là, j'ai pas la bonne arme, hein, c'est clair que non. Non, je re...
Encore et encore et encore et encore. Désolé, hein. Enfin. C'est vu dans Stein. Ça en est plus rien. Ouais, t'inquiète. Je peux me retenir, mais bon. En fait, je me retiens depuis v'là le temps, en fait. Mais ah, quand on boit de la bière, hein, vous savez bien. Ceux qui savent, le savent. C'est normal. Pour te faire plaisir, aisé. Ça me fait plaisir aussi. Gail t'aime. Hey. Ça me fait plaisir aussi. J'aime bien aussi. Ouais. Je crois que je vais faire une pause sur ce jeu ce soir et je crois que je vais rester en mode musique pour ceux que ça intéresse. Quand même bien avancé sur le jeu. Ça va. Dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour partager du son. Années 80. Ouais. Clairement. Clairement, ça va. Je vais commencer cet après-midi. Ça va. C'est pas mal. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti. J'ai quelques souvenirs d'après. À Rio, notamment. C'est ma mission préférée, d'ailleurs, à Rio. Pour la musique, mais pas que. Pour la dégaine de Max. Et la mission aussi. Ça déboîte. Mais ça, va falloir patienter. C'est clair. Va falloir patienter, c'est sûr. Alors... Ah ouais. Qu'est-ce que c'était bon, ça? Contrat. Alias Super Probotector sur Super NES. Ah ouais. Celui-là, je me le refais au moins une fois par an. Sûr. Au moins une fois par an. C'est vrai en plus. Ah, j'aimerais bien l'avoir en boîte et notice dans ma collection, mais...
Là, niveau argent, c'est Abusax. En loose, c'est pas le problème. Mais moi je recherche en boîte, quoi. Les jeux du cœur, je les recherche en boîte. Bon, ça va. J'ai déjà Astérix, que j'ai réussi à m'avoir en boîte. Et Notice complet, à mort. J'en ai plein d'autres. Pas mal de Mega Drive, surtout. Ouais, bah vu que j'ai repris la collection, il y a même pas 6 mois. Je sais pas si t'avais vu toi, Z. En 6 mois, j'ai fait le gueudin. J'ai explosé la carte, le compte, les poches, le porte-monnaie, tout. Je voulais même me prendre une bande d'arcade Street Fighter 2 The World Warrior original à 600€. Bon, je l'ai pas fait, heureusement. Mais j'allais le faire. Ah, je l'ai pas fait. J'en avais parlé quand Gameuse était venu, justement. J'étais à deux doigts de le faire, à deux doigts de craquer, parce que moi, en fait, c'est ça, je craque. Ah, c'était limite, ouais, c'était grave limite, tu veux dire. C'est fou, ouais. C'est même plus limite, là. On n'est plus à la limite, là. Là, j'aurais pu le faire, mais bon. Je peux le faire. Mais il y a des priorités, quand même. Faut être raisonnable. Je sais très bien que si je l'ai, cette bande d'arcade, je vais y jouer au début, et après, ce sera juste un collector, dans un coin, comme un meuble. Je le sais, hein. Je me connais. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, en fait, parce que je savais d'avance, dans le futur, comment je réagirais avec ça. Ah bien sûr, c'est beau, c'est magnifique. Puis c'est nostalgique, et puis c'est tout ce que tu veux. Mais quand même, 600€... Déjà, je voulais m'acheter un billard américain, déjà. Pareil, 600€. Un peu moins. D'abord, faut faire des choix. Non, je préfère investir dans ma collection cartouche, tranquille, pépère. C'est très bien. Après, rien ne dit qu'un jour, il n'y aura pas. Voilà. Bah, choix difficile, oui et non, en fait. Pour 600€, voilà quoi. Tu peux quand même bien rentrer dans la collection, quoi. Donc moi je prends des jeux Master System, Mega Drive, Super NES, quelques jeux Jap aussi. Mais j'avoue, il y en a, j'ai pris en loose, hein. D'une part parce qu'ils étaient pas trouvables en boîte, ou alors à des prix monstrueux. C'est compliqué. On peut pas tout avoir, quoi. C'est pas possible. On peut pas tout avoir. Et à un moment donné, faut se raisonner, quoi. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pas empêché d'aller vers autre chose, mais un peu moins lucratif, un peu moins cher. Oui, c'était mieux, je crois. Des fois.
fous. Et moi je craque vite fait moi. Je vois un truc direct. C'est un truc du cœur. Je suis capable tout de suite. C'est comme ça moi. Mais bon. Quand le prix est trop élevé, je réfléchis quand même à deux fois. T'es fou, ouais. Là, j'ai mis en stand-by un petit peu. Fais attention. Je peux me permettre, mais... Je préfère... tranquille. Comme on dit. On va faire les choses tranquilles. C'est dommage que la petite gameuse n'est pas là aussi. Hey, pour ton déménagement, t'as rien oublié ? La chaîne stéréo ? Ah ouais, non mais carrément. 600 euros, non. J'ai fait non, là t'abuses mec. Je me suis même dit à moi, j'ai fait t'abuses mec. T'abuses. J'ai fait arrête-toi. Je me suis mis une tarte dans la tête et j'ai fait arrête. Une tarte mentale, bien sûr. Ouais, non, mais je sais bien. Ah oh, ouais, mais je connais. Hein. Je connais. Hein. En général, de toute façon, quand elle vient, elle me dit à l'avance, beaucoup à l'avance. C'est elle qui me propose souvent. On se fera une soirée rétro, ta 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 ta. Voilà. Donc. Non, mais voilà, ça fait plaisir aussi, quoi. Ça fait plaisir aussi, quoi. Pour ça, je dis ça. Oh merde! Attends, on va la remettre au début. Voilà. Pour ça, parce que je suis quelqu'un que j'aime bien aussi, comme toi, comme Consti, comme 5-6 personnes qui sortent du lot, tu vois. Pour moi. C'est pas autre chose. Après, tout le monde est le bienvenu, mais... Voilà. Comme je disais tout à l'heure, follow pour follow, venir pour venir, rien pour rien, je veux dire. Si ça intéresse pas, je vois pas le truc, quoi. Je vois pas. C'est tout, hein. Moi, avant que je suive quelqu'un, il y a de la marge. Et quand je le suis, bah, je vais le voir. Même si je peux pas tout le temps, au moins un minimum, toi. Même si le jeu me plaît pas spécialement. Je vais voir la personne et... Voilà. Quand tu vois le nombre de followers qu'on a et que tu en as que même pas 5 qui viennent sur 120 par exemple, ou même sur 3000, ou même sur 2000, ou même sur 1000, quel intérêt? Moi, les gens que je follow, je veux les voir. C'est que ça m'intéresse, quoi. Je veux dire, je sais pas. C'est ça que je comprends pas trop. Quel intérêt? Si c'est juste pour faire plaisir, oui, ça fait plaisir, mais ça sert à rien. Quand tu follow quelqu'un, c'est que t'es intéressé par ce qu'il fait. C'est que tu veux suivre ce qu'il fait. D'où le mot follow, quoi. Voilà.
Clairement. Je vois pas à quoi ça sert. Ça sert à rien du tout. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure en passant. Et ben, follow, merci, ça fait plaisir. Ouais, bien sûr, c'est gentil, c'est cool. Ah bah voilà, on n'est pas, hein. Mais follow pourquoi? Pour venir ou pour juste voir l'alerte ou pour follow pour pourquoi? Pour appuyer sur un bouton ou pourquoi? Pourquoi? Quand on follow quelqu'un, en général, en ce qui me concerne en tout cas, quand je follow quelqu'un, c'est pour venir le voir. C'est que je veux venir le voir. Clairement. Et j'essaie de passer voir tout le monde. Tous ceux que je follow. Au moins dire un petit coucou, tu vois. Même si je reste pas longtemps. C'est ce que j'essaie de faire. C'est que j'aime bien ce qu'ils font, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est tout. Ouais. La tête qu'il a quand même. Voilà, ouais, c'est juste ça, toi. Tu passes dire un coucou, même si t'aimes pas le jeu, tu vas voir la personne, tu follow. Bah, salut, quoi. C'est ce que j'essaie de faire. Ah ben en général, tu vois, j'en follow pas beaucoup, hein, si tu regardes bien. Ce qui m'intéresse, quoi. Ou des gens que je connais depuis longtemps, même si j'aime pas ce qu'ils font comme jeu. Merci, salut, quoi. Je passe. Moi, ouais, c'est normal. Après, je peux pas en vouloir à personne, puisque des fois, ça m'arrive d'être sur des lives, d'être inactif. Et dans ces cas-là, je reste inactif. C'est pas... voilà. Je regarde, tac, personne sait, rien. À part s'ils regardent. Voilà. Moi, j'en veux à personne là-dessus. Mais si tu follow, enfin je veux dire, c'est que ça te plaît un minimum, quoi. Sinon je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai, non? Sinon à quoi ça sert? En vrai. À rien. À rien. À dire ouais, je t'ai follow, j'aime bien sur le moment, peut-être aussi, hein. Peut-être aussi sur le moment, peut-être. Mais alors, dans ces cas-là, tu follow pas. Si tu follow, c'est que t'as l'intention de suivre la personne, de voir ce qu'elle fait au jour le jour. Tu vois. Hein, chacun réfléchit comme il réfléchit, hein. Il y a tellement de choses qui m'échappent que ça sert même plus à rien maintenant d'en parler. J'en ai déjà trop parlé. Ça sert à rien. Soit les gens sont concrets et font les choses, ou soit voilà. Là, je sais que il y a des gens qui regardent en scred, comme on dit, en furieux, tu vois. En furieux, non, pas en furieux, mais
en fufu quoi, comme je dis, moi j'ai l'habitude de dire ça. Moi. Je peux pas leur en vouloir, parce que ça m'arrive de le faire aussi. Mais quand on suit quelqu'un, je sais pas, c'est une autre chose. Après, tu suis pas, voilà, tu passes, voilà. Mais si tu follow en général, après, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'emploi du temps des gens, de la vie des gens aussi, hein. Faut pas non plus, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Mais je reste à mon idée que les trois quarts des personnes qui me suivent suivent comme ça, quoi. Il y a peut-être un quart qui vient me voir, c'est ce que je veux dire. Alors moi, ça m'intéresse pas. D'avoir un maximum de follow qui sont finalement pas intéressés. M'intéresse pas du tout. Moi, quand je follow perso, c'est que je suis intéressé. Et que ça m'intéresse. Et que l'ambiance est bien, ou le gars est sympa, ou la fille est sympa, ou que le jeu me plaît. Voilà, il y a une raison. C'est pas follow pour voir l'alerte, pour follow pour follow. Follow pour follow, quoi. Pas juste ça. C'est ridicule. Là, c'est ridicule. C'est ridicule. Follow pour follow. Même follow pour faire plaisir au streamer. Ou pour l'encourager dans son truc. Ou pour lui faire un maximum de follow. C'est ridicule. Si tu retournes pas après, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça sert à rien du tout. Absolument à rien. Parce que ce serait un follow dans le vent. Ah mais ça je suis d'accord, je l'ai dit ça. Je suis complètement d'accord. Mais en général, quand on follow quelqu'un, en général, quelqu'un qui est concret, qui est franc, qui est réel, il follow parce qu'il aime bien. Donc forcément il sera amené à revenir. Moi j'ai au moins les trois quarts des follow qui ne sont jamais revenus. Ça fait plusieurs mois, voire des années. Bah, peut-être, ou alors c'est sur le moment. Mais voilà, si le contenu te plaît sur le moment, bah tu restes, tu parles, t'interagis, pas de problème. Moi je dis, tu te follow quand t'es sûr d'être amené à revenir. C'est que ça t'a vraiment plu. Suivre quelqu'un, c'est vouloir être au courant de ce qu'il fait et tout. Enfin, moi je pense ça. Ouais, chacun sa notion du follow. Chacun sa notion, quoi. Clairement. À chacun sa notion de toute façon. Ah oui. Mais je respecte la notion de chacun. Hein, c'est un sujet parmi d'autres qui n'est pas réellement un sujet ni un débat. Pour moi, c'est clair. Pour moi, voilà. Si je follow quelqu'un, je suis amené à le revoir. C'est que ça m'a plu. Peu importe la raison. C'est que ça m'a plu. Y'a pas follow pour faire plaisir ou pour dire ouais, je te follow. Tu vois ce que je veux dire? T'en as, c'est comme ça. Mais y'a aucun problème. Aucun problème. Ne sois pas désolé. Ne sois surtout pas désolé. Bah, normalement, oui.
Non, non, mais y a aucun problème. Et merci encore d'être passé, ça m'a fait très très plaisir de te voir. Il n'y a aucun problème, ça m'a fait très très plaisir d'être en tant que compagnie ce soir. Comme d'hab, impeccable. Oh mais de rien, franchement c'était un plaisir pour moi, tu sais. C'est un plaisir de partager quelque chose avec des gens qui partagent la même chose, quoi, hein, finalement. Que ce soit musique ou jeu. Donc pour moi, qu'il y ait une ou deux personnes ou 100 personnes, ça ne compte pas. Hein, c'est comme je disais, ça suffit pour moi. C'est l'interaction qui est importante. Et le partage. Voilà. Mais moi, je vais pas traîner non plus, je pense. Je vais pas trop traîner. Ça fait 3 heures que je suis en live, quand même. Bon, ça va, c'est pas non plus... Ah bah, 3 heures. 3 heures pile. Voilà. Mais pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Mais là, voilà. Bon, j'en ai fini, de toute façon, avec le jeu-là. Je mettais un petit peu de musique pour nous. Mais bon, vu que ça arrive pas, qu'il y a pas grand monde, je pense que je vais pas traîner non plus, tu vois. Je pense que je vais pas traîner non plus. Je vois pas trop l'intérêt. À part si je jouais, mais là je pense pas que je vais rejouer ce soir. Je pense que j'ai déjà pas mal avancé. Je suis même sûr. Je pense que ça suffira pour ce soir. Pour aujourd'hui. À sur ce, bonne nuit, Aisé. Repose-toi bien. Et à la prochaine. Et merci pour ta compagnie. Ta bonne compagnie. Merde, ah, j'ai fait le con là, je crois que j'ai fait le con là, non? J'étais un peu vite. Je crois. Est-ce que ça avait sauvegardé au moins pour le prochain épisode? That is the question. That is the question. Ah ouais. On va le savoir. Ah ouais, ça va. Bon. Si c'est à partir d'ici, ça va. Avec un antalgique, ok. Bon, ok, très bien. Ça va le faire tranquillement. On va partager ça sur YouTube aussi. Hop. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Tchuss.